On va parler de José Priscille. Voilà. Tu vas prendre ton tabouret. Tu penses que tu te caches. Moi, il y a longtemps, je sais l'histoire. Mais je me suis calmée, puis j'ai regardé. Mais là où deuxième enfant est venu, là, il est balé. Tu te caches, genre, tu penses que tu es clou. Tu ne veux pas dire qui est le père de ton enfant, que tu es clou. Ok. Tu es une raseuse de mari, José. Tu es une voleuse de mari. C'est moi qui t'ai dit ça. Voilà. Tu sais que ça t'attarde un jeu. Voilà pourquoi tu te caches, tu fais cache-cache. Mais sinon, toi et puis c'est rédit, là, vous êtes ensemble. Tu es venu, tu as tout fait pour chasser la pauvre Aline, femme que tu as trouvée. Comme c'est loup là, c'est loup et c'est vilain en voie là. C'est pour ça que tu te caches, tu as caché le courage quand tu es arrivé là. Non. Tu es méchante. C'est la raison pour laquelle je ne t'apprécie pas, parce que je n'aime pas les femmes qui brisent le foyer. Même si tu as la plus belle voix du monde, mais du moment où tu brises un foyer, à cause de toi, des enfants sont venus, des enfants aujourd'hui sont devenus une famille composée. Je ne peux jamais, jamais aimer ta musique. Voilà, c'est ça que ça. Donc, les fanatiques de José là. Ceux qui disent, même à même temps, même José là, cliquez sur qui que ce soit. Parce que je vais framponner lourd. Oui, je vais framponner lourd, comme je sais le faire. Donc José, prends ton tabouret et faut t'asseoir.